de problème. Donc, deuxième partie de cette rencontre entre Zarudina et ATR. Zarudina qui reçoit donc à domicile sur Step et qui a choisi Allié. Et tu n'as pas dit c'est quelle semaine du championnat 4v4 ta bataille de Stalingrad. Je t'écoute, Akuna. Ok, merci Akuna. Alors, c'est qui reçoit dans cette game? C'est quelle semaine? J'adore streamer avec vous. C'est la semaine 4 du championnat. N'hésite pas à revenir vers nous. J'espère qu'ils n'ont toujours pas mis de décalage. 20 secondes, nickel. C'est beau ça. Hein, ça vous laisse le temps de présenter les équipes? Vas-y, ouais, à coup. J'ai déjà vu. Non, mais savoir quelle faction ils ont pris. Bah alors, du côté droit, de haut en bas, nous avons Crackers en USSR. Tu quoi, prends l'axe, tu m'as saoulé. À toi, TEDGO 13. Non, s'il te plaît, moi c'est T3DGO 1-3. Oh. Allez, on verra sur le tard. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ok, pas de non. problème. Bah, super, les streamers avec vous, c'est le bordel. Calérica. En russe et encore en US aux Illigates. Il n'y a pas de Brit en allié. Tout à fait. Timor, si tu nous écoutes, reviens, s'il te plaît. On revient streamer avec nous, s'il te plaît. Ah, attends, je réfléchis. Qui y a d'habitude qu'il n'y a pas aujourd'hui? Il n'y a que Timor. Donc, si tu veux que Timor revienne, sachant que j'ai pris la place de Timor. Oh, bâtard! Beau message camouflé. Allez, en face, Psy, Bermart. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui a baqué son génie tout de suite. Ah, ça arrive, un misclic, hein, peut-être. On a Biscay en OKW. Ainsi que Bjorn. Ah, bah, du coup, ah, ça... il y a 3 Oka. Après, c'est tout Oka. Ouais, c'est Psy qui a baqué son génie. A dû oublier de faire son bâtiment, je pense. Ouais, ça. Allez, c'est MG qui va sur le front. Ça repart sur. Donc, en fait, ils sont 2 sur l'île. 1 sur le carbu et 1 là-haut. 2 sur le carbu du middle. 2 sur le carbu du middle. Les gars, c'est bien quand je stream avec vous. Je me sens pas seul, en fait. C'est ça qui est bien. Alors, nous, on est polis. On veut pas te couper la parole, tu sais. C'est ça. Ok. Alors moi j'ai une bonne stratégie sur cette map. Tu galères longtemps aux étoiles à l'étoile du bas sur l'île. Parce qu'en plus il y a plein de gens qui n'aiment pas qu'on dise que c'est une île. Donc on va le redire. Ah bon? Pourquoi ils n'aiment pas ça? Bah, c'est une île. Et au nord, à la fin, tu tiens tes 2 étoiles et tu serres les fesses pour gagner 2 à 0. Après c'est une stratégie qui va en vouloir. C'était les corons. Alors moi je suis désolé. Un lopin de terre entouré d'eau, c'est une île. Il y a un Sturm là de. Je ne sais plus qui. Qui est aussi seul que Zinch lors d'un stream. Ok, je qui a poussé très haut avec ses Sturms. Le problème, c'est qu'il était seul, ouais, pas encadré. Il le perd pas, c'est déjà pas mal. Ah, quoique. Ouah. Non, en mouvement, ça va aller. Sinon, il y a une autre technique qui est pas mal hein, sur cette map, nous on l'a fait contre la compagnie des zéros. À 10 secondes près, ça marchait bien. Toi, c'était à 10 secondes, Coco il avait dit à 20. C'est ça. Donc, tu vois. En fait, vous avez gagné le championnat que par chance. C'est ça. C'est impressionnant de voir ça. Mais on n'a pas gagné le championnat, Kiki. Oui, non, pour le moment, vous êtes premier du championnat. Allez, le lapsus, en fait, voilà. C'était fait depuis le début. C'est ça, ouais. Vous le savez, c'était écrit pour lui. Bah, tu penseras au chèque à la fin, s'il te plaît. Ah, mais maintenant que ça a été révélé, il n'y a plus d'accord entre nous. Ok, Bjorn qui vient de perdre une section de Volsk. Ouais. Sur le carbu du middle. J'aime bien Crackers qui fait là, probablement un lance-flamme, enfin, en tout cas, qui prévoit de faire un lance-flamme pour chasser les adversaires dans un véhicule M3A1. Ouais, décidément, en relais, on est toujours sur la même image. C'est beau, quelle connexion. Ouais, ouais je nous sens un peu en osmose. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait hein? On continue à regarder le stream ou on s'encule? Personnellement, là, je suis fatigué. Ah, moi, le stream, ça m'embête un peu, j'ai mal à l'épaule en plus. Tu vois? Bon, bah, écoute, c'est plié. Allez, bonne soirée à tous. Et du coup, on a Psy et Biscay qui tiennent bien l'île. On a Okesh qui galère un peu plus sur le middle avec Bjorn du coup. Oh, en tout cas, l'île est tenue pour le moment, mais le nord ne l'est pas. Ouais. Ouais, c'est ce que je viens de dire en fait. Bon, moi je vais me taire. Et Bjorn qui a encore perdu une section au middle avec ses...
Oh, la grenade à fusil. Belle grenade à fusil de Psy en mouvement. Il a quand même réussi à s'en sortir. A noter quand même, tu vois, ce petit cover qui a été fait là. Intelligemment. Oh, oh, la mine plus. Ouais. C'est Kilder là qui a perdu sa. Yep. Sa clown car. Ouais, c'est pas mal hein, avec les ricains là, il y en a un qui a fait le piège anti-char et il a fait la petite flèche pour protéger les le cover adverse pour pas qu'il puisse en profiter. Je retiendrai ça, j'essaierai de le faire. Ici là sur l'écran, c'est ce qu'on voit avec les deux barbelés devant la petite croix. T'as Galou qui, enfin Gaillou ou Galou, je sais pas comment il le prononce, qui te rappelle que c'est une péninsule et non pas une île, puisqu'elle est rattachée à la terre. Un roc, un pic. Mais elle est pas raccrochée à terre, il y a de l'eau tout partout autour. Si, il considère que là, il y a une sorte de. Oh, non, il y a de l'eau partout. Ah oui, là, en bas. Ouais. Ouais, bah là, c'est joué sur les mots, excusez-moi. Il pleut dans l'heure qui suit, il y a plus de terre. C'est marée basse, c'est pour ça. Bon, bah le mieux, c'est qu'on attende qu'il pleuve pour être sûr. Voilà. Ouais. Allez, attendons. Encore une fois, on peut noter que le jeu est mal fait. Super. Oui, il va y avoir un cartable de. Cartable de Kinder à ouais, sur le bunker. Allez, c'est fait. Ouais, il a été placé ici pour pas se faire contourner par le haut, mais du coup, il défend pas l'autre partie, c'est dommage. Ouais, ça c'est orienté, c'est pas une tourelle. Mais est-ce que j'ai dit contraire? Bah, si. Ok, bah, pas de problème. J'adore toujours. Vas-y, qui a choisi son commandant. Appui de reconnaissance qui a été bien remasterisé. Qui est très cool, je vous le conseille. Ah! Il y a Galou qui nous dit que c'est une banquise, mais en été. Ah non, je plaisante. C'est le mec qui assiste. En gros, tu veux me faire chier toute la game avec ça, quoi. Bon, ok, c'est une presqu'île. Non, mais c'est une presqu'île, on est d'accord. Tu sais, c'est pas moi, c'est Galou, hein. Un cœur sonore qui fait. On a eu un. Vas-y, excuse-moi le coup d'avis. On a eu un. Il y a eu un bombardement sur l'étoile en bas, ça a fait mal aux axes. Et je ne sais pas c'était bombardement de quoi. Ça devrait être le bombardement des éclaireurs de la pédro. INR. Il fait très mal celui-là. Il tombe vite en fait. Ouais, c'est ce que je vois, allez. Vache. Le clown car de Cracker s'est tombé au milieu. Mais bon, il a quand même réussi à caper tout le haut de la carte. Les deux mini, deux étoiles, trois étoiles avec celle du sud. Ouais. Par contre, Carbu qui est contesté depuis le début de la game. Ah, ça dépose directement les véhicules au milieu, là, c'est parfait ça. C'est très malin. Bien joué Bjorn. Parce que quand on n'a pas beaucoup de map control, là, il faut absolument essayer de trouver des astuces. C'en est une. Mais je trouve que jouer trop de OKW, on galère vite, quoi, parce que les vols, ce qu'ils font pas le pli en début de game. Il y a un push des alliés. Attention au cartable Bjorn. Cartable plus lance-flamme, là, c'était dangereux pour Bjorn. Du coup, le problème, c'est qu'ils ont ni DMG, enfin, ils ont pas de mortier, ils ont rien pour contrer, en fait. À jouer 3 OKW, quoi, c'est risqué, je trouve. Alors, c'est pas mal de voir qu'Oziligat utilise le frein à main de son véhicule. Là, il l'a enlevé, mais il utilise le frein à main quand il veut se barrer rapide. Pas qu'il cafouille, je pense. Alors, normalement, un frein à main, t'es pas censé bouger, mais bon, là, c'est le frein à main pour de la tourelle. Ou alors il est en train de niquer complètement sa bagnole. Alors je vais utiliser les flèches pour Mitty, ou je vais encore me faire engueuler. Dans ma bagnole. Ça mine côté Biscay en bas, ça met des shoots mineux pour que. Ouais, il met pas mal de mine. Contourné. Et il y a le Raketen qui arrive en fufu sur l'étoile et qui risque de taper aux Illigat. Alors quand c'est comme ça, moi je le rapproche un tout petit peu plus, comme ça. Il a le temps de tirer ses deux fois avant qu'il s'en aille, non? Et là, du coup, il a pas pu tirer sa deuxième roquette, quoi. Ah, mais c'est parce que t'es PGM, toi, c'est pour ça. Merci de le reconnaître, Auré. J'en attendais pas moins de ta part. Mais c'est Luciol qui t'a tout appris. Entends-le. Exactement. Alors, toi, tu parles pas de la game juste pour dire des conneries, quoi. Oh, il vient de perdre son raquette. Non, je rigole, mon petit cœur. Tu m'appelles ton petit cœur parce qu'on était encore sur la même image. C'est pour ça. Je ne sais pas.
Il y a un T-70 sorti de Kildare alors qu'il y a un Luch de la part de Bjorn. Ça va être le grand duel. Alors du coup, qui gagne entre un flak track et un half track anti-aérien ricain? Je dirais le flak track pour la cadence de tir peut-être, non? Bah, le problème c'est qu'il a un... Ouais. À mon avis, il gagne puisque là, il vient de lui mettre une torche. Oh, il perd pas. Oh, la chance. C'est un millimètre, hein. Ouais. Bon, tiens, un T-70 derrière, il va falloir faire attention quand même. Hein. Là, il a quand même eu beaucoup de chance avec son track. Hop, il récupère le petit Raketen. Ça fait toujours plaisir, les cadeaux. Bjorn, il est arrivé au contact du T-70. Munition, ça énerve toujours. Quand t'es parti pour le faire et que t'arrives et hop, y en a plus. Ah, du coup, faire gaffe au T-70 parce que je crois qu'il n'y a pas d'AT côté Axe. Ah, ils ont repris le Raketen. Si, ouais, il a repris. Mais c'est bon, il l'a fait fuir. Bon coup de fumigène de la part de Biscay qui contourne vers les mines. Très malin. Et puis, si qu'il n'y a pas d'AT, est-ce qu'ils en ont les gars des AT les autres? Bjorn, il n'a pas d'AT. Ah, il a un loot chez Bjorn, pardon. C'est bien joué en tout cas de la part de Bjorn d'avoir essayé de contourner sur l'île. Ouais. Ouais, c'est à noter. Et je sais pas si vous avez vu aussi, ils ont récupéré l'étoile du haut là un court instant. Tout à fait, tout à fait. Enfin, c'est bien qu'ils tiennent au moins l'île, comme ça leur fait un carburant assuré, une étoile. Ce qui permet de gagner un peu de temps, le temps de se développer quoi. Surtout qu'il y a une petite erreur de fait là-haut de la part de Crackers qui a oublié de caper l'étoile. Je sais pas si vous avez vu, ils ont laissé l'étoile là-haut. C'est pour faire durer le suspense. Alors Zilligat a choisi reconnaissance, on a déjà dit. Monkey a choisi Priest et Crackers a choisi tactique motorisée de la garde avec le marquage de véhicule et T-34 amélioré. Alors que du côté de l'axe, rien pour le moment. Rien. Non, rien de rien. Rien de rien. Attention au Luch là, les grenades anti-char. Ah, donc ça lui a même pas pété le moteur, il a une chance de fou. Alors ça surprend toujours un peu parce que le jeu est fait de telle manière que tu vois toujours l'arme anti-infanterie. Avant, alors je sais pas si c'est dans l'ordre dans lequel tu les as pris, tiens, je me pose la question. Les armes. C'est vrai que t'as raison, et en fait ils ont un bazooka plus un bar quoi. C'est ça, mais alors on sait pas si... Est-ce que c'est parce qu'il a pris le bazooka en deuxième position et ça garde la mémoire de la première arme que t'as pris? Je sais pas. Ou est-ce que c'est toujours l'anti-infanterie? Non, je pense que c'est toujours le premier truc que tu prends. D'accord. Parce que ça peut tromper, tu vois un mec arriver comme ça... Ça m'est arrivé dans une game il y a pas longtemps, j'y vais, hop. Je me dis c'est bon. Attention à la MG de Okesh là. Elle se fait contourner. Ça sent le cartable. Faut backer. Ah, le Luch là, il y a des troupes de la guerre quand même. Hein. Ouais, bien vu. Oh, les deux T-70 font un mal de chien. Alors t'es où là? T'es sur l'île? Ouais, sur l'île. C'est Kildare qui a sorti deux T-70, ouais. Yep. Bah ouais, le problème c'est qu'ils avaient qu'un AT en bas, c'est dommage. Bombardement sur l'île en bas, et c'est bien le l'INR. Ce bombardement il vient très très vite, t'as presque pas le temps de backer. Hakuna, est-ce qu'il est proportionnel à ton nombre d'étoiles vétérans? Est-ce que ça... Attends, je vais regarder. Augmente... Je veux dire, est-ce qu'il dure plus longtemps ou pas, en fonction de ton nombre d'étoiles, ou est-ce que... Bonne question, mais je ne pense pas, c'est pas mis. En tout cas, c'est pas écrit. Hein. On a Biscay Revolution qui avait essayé de mettre son T4 ouais, en bas. Allez. Oui. Il y a sur le salon, Capitaine Fupudaf qui dit que par rapport à votre discussion sur les armes tout à l'heure, que c'est vraiment le premier. Je suis bien content, Capitaine Fupudaf, merci à toi. En plus, tu t'es abonné aujourd'hui chez nous, donc je suis ravi de te revoir ici. D'ailleurs, on peut voir qu'ils ont repris les munis et l'étoile du haut. Hein. Je suis pas dessus depuis tout à l'heure, mais. Ok, je qui met une petite pression là-haut. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup poussé là sur l'île. Donc, forcément, ça a laissé un peu de champ libre pour les étoiles, mais le plus important.
Après, moi, je répète, je trouve que c'est le problème des 3 OKW pendant les 15 premières minutes de game. En fait, ils ont pas de bon char pour contrer. Ou il aurait fallu sortir un Puma à la limite, mais. Oui, l'infanterie est pas très bonne à distance au début. T'es Tant que t'as vite pas limité dans XP. la différence de jeu. Il aurait. Je veux dire, là, un Stuk 3, il ferait le taf sur l'île du bas, par Il y a le Lux de Bjorn qui a fait reculer les mortards au mid. Ah, il y a un Wehrmacht hein, qui peut sortir un Stuk 3 sur l'île, justement. Ah, il y a encore de l'artillerie là, sur Ouais, mais le. il y en a qui. Ouais, Ah ouais. c'est vrai que ça tombe vite. Double artillerie. Une devant, une derrière. Comment veux-tu, comment veux-tu? Je préfère pas répondre. Le Flak Track qui est déjà 2 étoiles. Qui avait déjà fait une petite confrontation contre le Half-Track anti-aérien US. Qui s'était pris une mine. Là, il vient de se reprendre une autre mine. 3 étoiles. Ouais, la T2 Psy en plus qui vient de Ah, le il a tuer. perdu. Attention, faudrait pas perdre le Flak Track s'il a encore ses fumigènes. Bombardement de. Ah non, c'est le fake. Putain, il joue bien. C'est qui le vert? C'est Ozilligat. Bien joué. Il a mis un leurre. Et là, il y a. Et là derrière, il envoie du vrai bombardement. Alors qu'il y a un marquage sur un P4 de Kesh au-dessus par Crackers. Crackers, tu vas perdre son T34-85. Ah, il a perdu le loot, Bjorn, d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as dit, d'ailleurs, en fait. Du Et coup, ça a EP en carbu, hein, niveau Crackers, là. Ouais, et du coup, le loot est récupérable en plus. On n'en parle pas assez, mais les bombes en grappe M83, elles sont très poétiques. Je suis pas sûr que celui qui se les reçoit sur la gueule pense la même chose, mais. Oh, les 2T70, fabuleux. Ah là, il y a un Sherman 2T70 en bas, ça va être compliqué à gérer. En plus, il a pas eu le temps de tirer. Qu'est-ce qu'ils ont comme, comme char Biscay Revolution et Psy? Il y a un Sherman. Ah non, pardon. Biscay, il a. Et rien. Ouais, du coup, Juste... ça va être compliqué, quoi. À mon avis, là, il va pas tarder à perdre son QG. Allez, Panther, bah. Psy, ouais, c'est ça, Psy pouvait pas sortir de ce truc parce qu'elle a pas fait son T3, en fait, c'est pour ça. Elle a tout de suite rushé le Panther. Comme tu l'as dit, mon cher Akuna. Tu as Kinder, là, qui a récupéré le canon anti-char, il s'est dit qu'il pourrait être utile. Il a récupéré la T. Et là, on voit qu'ils ont quand même. Bien récupérer le territoire un peu partout et le looch au passage. Ah, ok, je qui s'installe là-haut hein, sur les 2 étoiles du haut. Là, il vient de mettre une MG dans la maison. Il a récupéré l'étoile du haut. À mon avis, tant pis pour les carbus. Puis il va aller sur le. Il y a un petit looch de crackers qui va aller tout ça. Et Luciol, je me demande si ça vaudrait pas le coup que dans les games tu fasses un petit récapitulatif. T'aimes bien prendre des photos. Tu devrais prendre les photos des cadeaux qu'on fait aux adversaires. Comme le croco qui avait été récupéré la fois dernière, le looch. Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Tu devrais l'appeler, je vous donne des astuces, mais trophée de guerre. Exactement. Ah, bah sinon, t'as qu'à le faire, lui donner des ordres. Quoi. Oh. Et moi je suis là en tant qu'invité mec hein. C'est à vous de bosser hein. Déjà que je devais geeker ce soir là. Ah bah d'accord, bah dis-le si on te fait chier en plus. Putain ça m'énerve. Ah bah il suffisait de le dire. Allez, ciao. Bien sûr c'est amical quand je te parle comme ça. Oui bien sûr, moi aussi, ou pas. Il y a un P4 de Kesh qui a été jusqu'au dessus pour chasser le Looch qui s'est réfugié vraiment tout au dessus de la map. Ouais, et du coup, on a un T34-85 qui arrive sur lui, par contre. Dans son dos en plus. Les crackers, qu'il l'a marqué. Hein. Du coup, vaut mieux partir. Sur l'île, Kilder utilise son T70 pour faire la vue. C'est une très bonne fonctionnalité de T70. Et Bjorn, il a un vrai problème. Je sais pas, c'est du genre à faire fructifier ses finances lui. Parce qu'il a encore 1100 quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de manpo hein. Et sur la gaine malée, tu peux te dire c'est un oubli, mais là. Après, bon, je peux comprendre que ce soit dur d'être toujours mobilisé, mais. Mais ça. Ça fait quand même perdu son flag track. Beaucoup d'économies
non utilisé. Et par contre, ouais, Biscay justement et Psy qui ont un Panther et un Jack Panzer là pour répondre à tous les chars en bas. Attention Panther. Le Panther qui cafouille. Ouais, qui montre son cul. Pareil pour, il vaut mieux faire une marche arrière là. Plutôt que de faire un demi-tour. En plus il se bloque. Ah et là. Il a repris tout le haut de la carte. On a Monkey qui tient bien au milieu. Oh la grenade de Psy, elle vient de tuer une MG. Oula, il y a un vieil coup d'un coup. C'est Akuna. Ah super. Bravo Akuna, bravo. Ça, le P4 charge les mortiers. On recule, mais attention parce que derrière il y a l'ambulance de Monkey, il faut qu'il sorte. Ah, il a pas eu le temps. Pourtant, il l'avait fait reculer avec le mortier. Fumigène pour se protéger sur l'île. Ok, je viens de perdre son P4. Redoublez d'efforts. Nous n'avons plus que 200 points. Eh, le fait qu'ils ont tenu l'île, ça a fait une game bien serrée, mais là, c'est vrai que ça commence à se retourner. Attends, ils ont des bons chars. Attention Panther, ouais, bien joué, Psy qui recule tout de suite. Aussi dégâts de qui a chargé sur le côté. Oh là, faut continuer. Psy qui vient de perdre. Et il a réussi, hop, à l'abandon, tiens. Ouais. Oh, avec le bombardement derrière, c'est parfait. Oh, ça fait mal ça. Hein. Ouais. Franchement, une super game d'Ozzy Ligat. Oh, Psy qui vient de finir un. Je sais pas si t'as vu d'ailleurs. Psy qui vient de finir un Sherman avec un. Un Panzer Faust. Un Panzer Faust, ouais. Derrière, Biscay était en danger. Je disais aux Illigat, une très belle gestion de ce commandant là. Parce qu'en 4v4, faut avoir les coronesses de le sortir. Ouais, puis il faut surtout toujours le micro-gérer quoi, en fait. C'est pas. Enfin, c'est beaucoup de micro-gestion du coup. Après, il est utile quand t'as les alliés qui vont bien. Et je connaissais pas moi les éclaireurs qui faisaient ça là. C'est super fort. Ah ouais. Ah, c'est le fameux nouveau commandant avec le nouveau patch en fait. Enfin, c'est pas le nouveau commandant, il existait, mais oui, ouais, il a été revu. A été revu, ouais. Ouais. Oh, pas de chance pour Rukesh, le Rakuten qui a tiré deux fois à côté. Et le Luch qui s'en sort du coup. Malin de poser comme ça les petits bunkers et d'y laisser des troupes dedans, parce que c'est vrai que les grenades elles dissuadent. Parfois tu mets un bunker, les troupes elles sont juste couchées. Mais là au moins. Superbe utilisation là de en bas. Oh là là là, il s'est gavé. Osiligat. Il a mis fumigène, marche arrière, bombardement. Et il est arrivé à reculons. Académique. On a Okesh qui a bien poussé avec Bjorn là sur le carbu du middle. Bon, ils sont en train de le reprendre hélas, mais c'était bien joué. C'est vrai que Bjorn qui a pas mal de manpo, il pourrait peut-être sortir un ou deux AT de plus quoi, pour au moins gérer l'afflux de chars. Ouais, je te dirais même peut-être un peu plus d'infanterie. Ouais. Après, il y a aussi à noter que quand tu joues 3 OKW, ça veut dire qu'il y a que le Wehrmacht qui va pouvoir EP les points. Ouais, donc, non, mais c'est pour ça moi je trouve pas ça top en 4v4 3 OKW. Ouais. Hein. Parce que franchement, les 15 premières minutes de game, t'es quand même très limité. Hein. Akuna, t'entends plus, c'est normal? Ouais. D'accord. Tu buguais ou pas, mais. Surtout là, en l'occurrence, le Wehrmacht, il a plutôt intérêt à sauvegarder son manpo pour faire de l'infanterie ou autre. Hein. Ah, du coup, il peut même pas EP des points en cash, quoi. 20h30 Biscay. 20h30. Je te l'avais répété, même écrit sur le Twitch de ce matin. 20h30 le live de jeudi. Vas-y, fais ta pub. Hein.
Donc, Non mais vas-y, c'est le moment. Oh, t'inquiète, ils sont au courant. Ouais. Il y a que Biscay, c'est vrai, qui m'avait demandé ce matin sur le live. Beau mouvement là, à droite, près de l'étoile. Le bombardement qui fait bien mal. Ouais, un T-34 qui vient de tomber. Bon, Lille qui est totalement maîtrisé maintenant par Kilder et Osiligat. C'est la presqu'île. Ah, pardon, la presqu'île est quasiment maîtrisée. Ou la banquise d'été. Je te remercie, ça fera plaisir à Galou. Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. C'est pour faire plaisir à Galou? Ah, c'est oh. Moi j'avais même pas vu qu'il y avait plus que ouais, aussi dit, peu de points. Oh bah excuse-moi, hein. On peut pas être je parfait. Ça. Ouais, ils ont bien utilisé les étoiles depuis le début, hein. Ils ont fait attention à ça aussi. Ouais, ils ont perdu que 6 pauvres petits points. Si mes calculs sont bons. C'est ça. Alors ce qui peut être pas mal, c'est pour le goal viral. Ouais, par exemple, nous on a quand même pas mal morflé face au DGM niveau goal average. Donc c'est sûr que lors des dernières confrontations, ça va compter ça. Après Zarodina, ils n'ont pas rencontré la DGM encore. Si, je sais plus. Je l'ignore, ça me parle pas, mais en tout cas, Zarodina confirme son rang de favori. Ouais. Championnat. Ah, on dit pareil pour vous, c'est à chaque fois pour essayer de se porter chance. En fait, c'est pour vous faire plaisir quoi, parce que sinon après vous gueulez et tout, c'est chiant. Tout le monde est favori ici, c'est magnifique. une belle game, hein, maîtrisée de bout en bout à l'aller. Ouais. C'était très compliqué. Du coup, j'en profite aussi là qu'il y ait pas mal de monde sur le stream. Enfin, je sais même pas où vous êtes combien d'ailleurs. Mais pour vous dire de pas hésiter à programmer des rencontres parce que il y a pas mal de rencontres qui manquent là entre la semaine précédente et celle-ci. Du coup voilà, on est en semaine 5, on joue les games de la semaine 4. Bon, même si j'entends bien qu'il peut y avoir des soucis, hein, c'est pas contre ATR et Zarodina, il n'y a pas de problème, mais du coup n'hésitez pas au moins à nous prévenir assez à l'avance ou de programmer vos games 2-3 jours à l'avance, qu'on soit tous au courant, c'est plus simple pour gérer et les streams et le championnat, parce que du coup on a un peu de retard sur le championnat. En plus on va devoir laisser après une semaine ou deux pour récupérer toutes les games de retard, donc c'est dommage quoi. Ah mais c'est eux que t'as insulté avec nous en privé tout... Ah pardon. Non surtout qu'ATR et Zarodina ça va, c'est des bons élèves contrairement à certains. Ah. Au lieu de dire des bêtises là, si tu nous parlais un peu de ce que tu organises jeudi soir avec le ZGK. Ouais, je l'ai dit dans le KRT 2v2, même principe que le KRT 1v1, sauf que cette fois-ci vous êtes à deux, ça c'est bien une explication de génie. Et venez en binôme, avec un team ça sera déjà pas mal. Comme ça, pour le tirage au sort, ce sera plus simple que de me dire Hakuna et Intel, ou etc., pour ne prendre aucun exemple. Et puis voilà, on va commencer à 20h30, je sais que parfois il y en a qui sont encore en train de bouffer tranquille. Mais plus on commence tôt, plus on a de chance de faire jouer un maximum de personnes. Surtout qu'en 2v2, la plupart du temps, les games, elles sont loin d'être courtes, elles sont plutôt équilibrées. Donc si on veut en faire plusieurs, voilà l'idée. Merci pour l'espace pub. Je me suis cru au Super Bowl, putain. C'était chaud. Ah, parce que t'as que 20 secondes. Hein. Et ça coûte cher la seconde, hein, je veux dire. Bah, écoute. Du coup, t'as intérêt à nous laisser gagner la prochaine game. On enlèvera des points à la compagnie des zéros. C'est ça. Ah. Contre les vieux croutons, au hasard. Ouais. Vous partez avec 200 points de déficit et 5 minutes de retard. N'empêche, honnêtement, là on attend. Il y a deux grosses games à venir. On voit que c'est deux semaines d'affilée. On se fait les vieux croutons et derrière les la Zarodina là. Donc autant vous dire que les deux prochaines rencontres risquent d'être décisives. Vous serrez les fesses quoi. Hein. Oh bah nous elles applaudissent depuis un moment, hein, comme dirait mon cher Timor. On a un petit peu peur à chaque fois, mais vu qu'on se prend pas au sérieux, tout va bien. C'est ce qu'il faut.
Voilà pour ce soir, du coup, la semaine 5 du championnat continue. Je ne sais pas quand il y aura d'autres games, je ne sais pas si on les castera. Il y a Vado qui dit qu'ils vont affronter la. Justement, tu posais la question, ils affrontent les Arodina vendredi soir. Ah bah super, bah par contre c'est en même temps que nous, donc moi je pourrais pas la caster. Parce que nous on joue contre les Biscornus, il me semble, vendredi soir. Donc je verrai que Mithy, peut-être qu'il pourra, je sais pas. Allez, sur ce, on rend l'antenne. Merci en tout cas à TedGo13 et à Kuna. Luciol, ouais, merci bah c'était aussi. Pas fait de bon cœur. Allez. Je sais, c'est pour ça que je te demande jamais. C'est des hormones de grossesse. Ça le rend terrible. Ah oui. Merci à vous. Allez, la bise. Allez, bisous à tous. Salut.